Yo les gars, c'est Wilky, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur FIFA 17 pour une présentation de mon équipe à 185. Donc c'est quand même une grosse équipe et faut quand même avoir beaucoup de crédits. Hein. Enfin beaucoup. Je sais pas trop encore combien ça ferait. Donc là déjà c'est une équipe à 184 mais vous allez voir qu'elle passera à 185. Si on fait juste un petit changement. Donc voilà. Donc l'équipe se présente comme ça. Pas besoin de faire de changement, je pense. J'avais juste oublié de mettre un entraîneur. Voilà. On va mettre Zizou. Là, l'équipe. La vraie équipe. Attendez. Elle est. Ouais, en fait, il était juste là. Elle est comme ça, la vraie équipe. La vraie équipe, elle est comme ça. 185. Donc je vais vous montrer j'ai combien je les ai achetés les joueurs. Il y en a que. Non, j'en ai pas du tout paqué dans cette équipe. Non. Côté Bundes. Là ici je voulais mettre Alaba et Socratis, ouais, mais j'ai vu que Alaba il coûtait quand même assez cher. Ici je me suis fait vraiment plaisir par lui. Je vous montre juste le prix, 27 500. Ivan Rakitic. C'était soit lui, soit Modric, soit Kroos, soit Iniesta. Et j'ai choisi celui-là le moins cher. Alors je vais vous montrer déjà les. Donc après en remplaçant vous mettez moi j'ai mis des joueurs de prêt comme ça, de gros général, que je jouerai jamais. Enfin jamais, je jouerai pas avec. Et attendez que je peux même remplacer. Attendez, on va faire un truc. Histoire peut-être 186 hein, si je rajoute Suarez. Non. Si je rajoute. Attendez, on va un petit peu gratter. Ok, bon, ça restera comme ça. Donc voilà, pas mal de gros joueurs. J'ai jamais fait ça dans un FIFA. Jamais. J'ai eu une équipe à 185 que dans les drafts. Donc, allez, on va passer à Jesús Navas. Acheté pour 4 900 crédits, je pense qu'il peut coûter moins cher quand même. Mais moi, je les prends toujours où il y a pas mal de contrats et de formes. Enfin, la forme, c'est pas très très important. Ensuite, il y a Roi Fran que je viens d'acheter. Mais les prix, ils ont monté pour les joueurs à 83, 84 et 85 de général en ce moment. Donc, je l'ai quand même acheté assez cher. Ensuite, j'ai eu Raphaël Varane que, ouais, ça fait un moment que je l'ai. Comme vous voyez, 83 matchs joués avec moi et 2 buts marqués et une passe décisive. Ouais, ok. Ensuite, Socratis Papastathopoulos. Pour 5 400 crédits, comme je vous le dis, ces joueurs coûtent très 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 cher. Donc sinon, attendez que le Foot Birthday se finisse pour ensuite acheter ces joueurs. J'ai acheté Ricardo Rodriguez pour 2 700 crédits. Donc là, il a quand même fait pas mal de matchs. 150 matchs pour juste 2 buts marqués, c'est pas grand-chose. Mais bon, c'est un défenseur. Ensuite, Ivan Rakitic. Je me suis fait assez plaisir dessus. C'est par rapport à la vidéo d'achat-revente à propos des contrats. Je vais être remboursé quoi qu'il faut pour ce joueur. Et voilà, je me suis fait plaisir. Je me suis fait. C'est tout, je me suis fait plaisir, c'est tout. Ivan Rakitic, 87 de général. Mon deuxième gros joueur dans mon club. On va regarder après. Je crois qu'il y a Cavani. Ouais, Cavani SBC qui est assez gros dans mon club. Ensuite, Thiago Alcantara, très. Moi, je kiffe ce joueur. Comment il dribble et tout, j'adore. Voilà, 5 étoiles de geste technique, 3 900 crédits, c'est très bien. Ensuite, Francisco Roman Alcaraz Suarez Isco. Ah non, ça, c'est son surnom. Isco. Ok, Isco, Isco. 3 100 crédits. Aussi un bon joueur, il a la vitesse, il a les dribbles. Bon milieu offensif central. Il est cool, il est cool. Ensuite, Lucas Vasquez. Soit c'était lui, soit c'était Gareth Bale. Mais Gareth Bale, j'ai pas assez pour l'acheter. Même Messi, j'ai même pas assez. J'ai pas assez. Donc c'était Lucas Vasquez pour faire cette grosse note. Aussi bon joueur. Sur l'ailier, il court quand même très très vite et vous fait des beaux centres. Et voilà. Après, faut savoir jouer. Faut savoir jouer. Ensuite, Aritz Adjouri, j'avais déjà testé en draft. Je kiffe ce joueur. Je kiffe ce joueur depuis FIFA 16. Sur FIFA 16, j'avais essayé. Punaise, je kiffais ce joueur acheté pour 5 000 crédits. Je vous l'ai dit, les prix, c'est abusé. Pour 84 de général. Alors que je pense qu'on pouvait le trouver un peu moins cher. Et là, pour Douglas Costa, joueur parfait. La vitesse, les dribbles, il a tout.
une grande star. J'ai fait que 3 matchs avec lui et il m'en a fait hein, des belles passes hein, et des beaux gestes techniques. Donc voilà la petite équipe. Après, il y a Zizou que vous pouvez acheter à 500 crédits, je crois. Je sais plus. Donc voilà, grosse équipe à 185 de général. De général, de note globale. On va dire ça comme ça. Et là, comme vous pouvez voir. Hop là, je suis devant. Je suis devant, donc c'est 185 de général. Voilà. Après, voilà. Si vous voulez, on peut aller voir l'équipe d'un de mes potes. On va aller voir. Mais voilà. Donc cette équipe tout elle vaudrait dans les. Attends, j'ai lancé quoi là? Ouais, c'est bon. Alors attendez, on va. Histoire de voir son équipe, comme ça vous aurez deux équipes dont une à 184. Celle que je vais vous montrer. Celle de mon pote, mais bon. Vous pourrez faire, je pense, des petits changements pour essayer d'avoir 185. Mais c'est toujours bien quand même d'avoir une grosse équipe. Au moins, vous êtes bon, quoi. Vous voyez devant vos potes, vous faites, ouais, regarde, moi, j'ai ça. Bref. Moi, c'est pas ce que je vais faire. Bon. Je m'en fous, je vais juste avoir une grosse équipe. Ivan Rakitic, que je trouve très très bien comme joueur. Par contre, j'espère qu'on va le trouver. Par contre, moi, ah, il est ici. Donc, ça doit être c'est celle-là je suppose. Donc grosse équipe là aussi. Quand vous voyez ça, il a quand même eu de la chance pendant le foot champion ça, pour voir Coleman, Hugo Lloris et Mertens. Voilà, il a quand même des gros joueurs par rapport à moi. Il est au-dessus de moi. Il a aussi celle-là, des quand même des belles équipes. Je sais pas, non, ah, il l'a acheté à hasard. Walcott, il l'a packé. Il l'a packé. Il a quand même beaucoup de chance, je trouve. Il a acheté Smalling, Griezmann. Ouais, bref, voilà. Petite parenthèse, je pense m'acheter N'Golo Kanté pour le mettre dans une équipe de France où je vais voir, vu que là, je me suis déjà fait cette grosse équipe. Bon, après, ça serait juste à voir. Donc on verra tout ça. Je vous remets l'équipe et donc pas celle-là. Voilà, j'ai mis top. Je mettrai 185, je pense. Voilà l'équipe. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à lâcher un gros like, abonnez-vous à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.